Un ciel gris qui reflète la tristesse qui envahit Saint-Jérôme aujourd'hui. Des gens venus d'un peu partout dans les Laurentides. C'était un roi et puis il va le rester. Des amis. C'est remettre à Stéphane ce qu'il a donné. C'est essayer de remettre à Stéphane. Des personnalités politiques. C'est tragique pour sa famille. Accueille le cortège funèbre. Par sa vision, par ses façons de faire, par ce qu'il a construit, il laisse un héritage. Une église bondée pour les funérailles de Stéphane Roy et son fils Justin, 14 ans. J'aimerais qu'on se rappelle de Stéphane, j'aimerais qu'on se rappelle de Justin, sa joie de vivre, son sourire magnifique. Stéphane, c'était un homme de très grande valeur familiale, très généreux avec ses proches. Leur disparition avait entraîné un véritable élan de solidarité. Bénévoles, policiers, forces armées canadiennes ont participé activement aux recherches. L'appareil a finalement été localisé et c'est à ce moment que la dure épreuve du deuil s'est amorcée. Sache que cette dernière tâche que tu nous as confiée, sans crier gare, sans donner aucune instruction, aucune direction, est de loin la plus difficile que tu nous as confiée. Des employés profondément attristés n'avaient que de bons mots pour décrire leur ancien patron. C'est un leader en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis il m'a donné une chance de travailler pour son entreprise. Fait que pour moi, ça représente beaucoup. Des fois, je suis dans mon véhicule, puis j'espère le voir, mais il vient plus. Que dire de Justin, décrit comme un jeune homme plein d'ambition, aux multiples passions? Un dernier adieu empreint d'émotion. Les proches de la famille attendent maintenant des réponses qui viendront entre autres de deux enquêtes, celle du BST et du bureau du coroner, chargées de faire la lumière sur les circonstances de ce mystérieux écrasement. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Saint-Jérôme.